Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 12 coiffures assez simples à faire sur une mise en pli. Pour obtenir cette mise en pli, j'ai utilisé des bigoudis flexibles de taille moyenne que j'ai laissé sécher toute la nuit. Pour cette coiffure, je vais utiliser une barrette. J'en ai acheté 4 pour moins de 4$. Et je vais maintenir ma frange avec une épingle. Je vais utiliser le Edge Control de Organic Root Simulator pour lisser mes petits chichis à l'avant. Pour ce style, je vais utiliser deux barrettes. Et même chose, je vais lisser mes petits chichis en utilisant le Edge Control. Je vais faire une raie sur le côté que je vais twister. Et donc ma frange, je vais la maintenir avec une petite barrette. Je vais maintenant faire une demi-queue de cheval. Pour ce style, donc je vais laisser ma frange à l'avant. Et faire une queue de cheval ou un puff. Cette fois-ci, au lieu de faire une queue de cheval, je vais juste faire un chignon. Donc l'un de mes styles préférés, c'est de ramener toutes les boucles sur le côté et de faire une sorte de queue de cheval, puff sur le côté. Vous pouvez aussi laisser votre frange à l'avant pour donner un peu plus de longueur au niveau du front. Donc je vais maintenant faire un simple puff sur le dessus et bien faire en sorte de lisser mes chichis à l'avant avec le même produit dont je vous ai parlé.
Je vais faire une raie sur le côté et je vais utiliser ma frange que je vais twister et ramener à l'arrière. Et je vais maintenir ce twist donc avec un petit peigne ou une barrette. Et quand j'ai fini, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc de la raie, et maintenir ce twist aussi avec une barrette. Un style très simple, mais je trouve qu'il est très mignon, c'est d'utiliser un foulard et de l'attacher à l'avant. J'aime bien les foulards qui soient bien colorés, bien flashy. Plus il y a de la couleur, plus je suis contente. Vous savez que moi je suis fan des deux petits chignons sur le dessus, donc au lieu de faire des petits chignons, ce serait dommage en fait de gâcher ces belles boucles. Je vais faire deux jolies couettes. Je vais pas entourer deux fois avec l'élastique. Je préfère que ce soit un peu plus, un peu moins serré, il y aura plus de volume et de mouvement. Je trouve que c'est plus sympa que deux couettes super serrées, quoi. Et donc, on arrive au style final. Je vais mettre de côté ma frange. Je vais faire un chignon assez bas avec le reste de mes cheveux. Et je vais donc envelopper mes cheveux du foulard tout en laissant donc la frange à l'avant. Je vais attacher donc le foulard en faisant un joli nœud à l'avant. Et je vais libérer ma frange. J'aime beaucoup aussi ce style, je trouve ça super mignon. Et c'est super rapide. Et comme ma frange, elle commence à être un peu longue, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une épingle au niveau de la racine. Et ça va me permettre d'avoir une frange un peu plus courte. Encore merci à tous, vous qui regardez mes vidéos, et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!